Les règlements de compte n'épargnent pas les proches des personnalités marseillaises. Cet après-midi, c'est le fils de José Anigo, ancien joueur de l'OM, aujourd'hui directeur sportif du club, qui a été visé. Âgé de 30 ans, le jeune homme était le membre présumé d'un gang soupçonné d'une douzaine de braquages de bijouterie commis en 2006 et en 2007. Adrien Anigo circulait dans le 13e arrondissement, au cœur des quartiers nord de Marseille. Au volant d'une Twingo noire de location, il a été pris pour cible par deux hommes sur une moto de grosse cylindrée. Selon les premières observations des enquêteurs, les tireurs ont mitraillé la victime à bout portant avec deux armes automatiques avant de prendre la fuite. Touché à la tête et à la carotide, Adrien Anigo a été secouru par les marins-pompiers. Ils n'ont pas réussi à le réanimer. Après quelques mois de prison, il avait été libéré en 2009. Il devait être prochainement rejugé aux assises.